Mercredi 17 janvier 2024, mesdames, messieurs, bonjour à vous et bienvenue sur la page horoscope de ce jour. Ami Bélier, votre assurance provoque la sympathie de votre entourage. Vous saurez la faire circuler autour de vous. Vous disposez des meilleurs atouts pour communiquer. Les échanges vont être multiples et vous pouvez compter sur vos proches pour répondre oui à toutes vos demandes. Taureau, votre vie relationnelle et sentimentale se teinte de nouvelles couleurs. Cela va vous donner du baume au cœur et vous mettre particulièrement de bonne humeur. Pour votre plus grand plaisir, vos rapports vont être plus enthousiasmants et vos liens vont se renforcer. Gémeaux, un intense besoin d'action vous envahit et vous mène à mieux gérer le cours de votre destin. Vous saurez ce que vous pouvez faire grâce à votre excellente intuition et votre entourage particulièrement attentif à vos envies. Natif Cancer, aujourd'hui adoptez la zen attitude au lieu de vous laisser emporter par des colères qui ne vous mèneront qu'au conflit et probablement vers l'impasse. Usez plutôt des arguments pour vous détacher de vos émotions et prendre du recul sur les événements. Lion, à présent, vos pensées sont claires, vos actes sont courageux, tout est en place pour une journée très constructive sous le signe de l'énergie positive. Il vous suffit de bien canaliser votre impulsivité. Vous êtes du signe de la Vierge, c'est une journée peut-être fatigante mais certainement constructive. N'en gardez que le meilleur en canalisant au mieux l'énergie débordante qui vous anime aujourd'hui avec votre excellente humeur. Vous n'enrobez pas vos mots de sucre à mes balances avec vos humeurs sombres. Vous risquez de faire le ménage par le vide et de vous retrouver seul pour remâcher vos rancœurs. Après tout, c'est peut-être mieux ainsi, au moins vous n'agresserez personne. Scorpion, à l'écoute, votre élan et votre combativité vous permettront de résoudre des problèmes pratiques qui encombrent votre route. Ainsi, vous vous sentirez plus léger et pourrez vous diriger en toute sérénité vers ce qui vous motive vraiment. Ami Sagittaire, votre imagination est hautement favorisée. Vous avez tous les atouts en main pour prendre des initiatives sans qu'on vous sollicite. C'est le moment de vous mettre en avant et de mettre en avant vos bonnes idées, de démarrer un projet qui vous tient à cœur. Vous êtes du signe Capricorne, vous allez avoir des facilités à trouver une entente, à vous engager fermement. Vous serez fier de vous, votre impatience à sortir des sentiers battus vous rend casse-cou. Verseau, vous aurez des facilités à prendre des décisions, votre sens de la stratégie se teinte positivement d'audace. Vous aurez l'occasion de débuter une collaboration, développer une clientèle, entamer un dialogue constructif. Ami Poisson, vous serez très satisfait d'avoir fait des efforts sur le plan amical. Vous en savourez les fruits aujourd'hui. Vous trouvez un appui important parmi vos amis. Consolidez ce lien, il prendra de l'importance par la suite. Madame, Monsieur, pour le compte de ce mercredi, ce sera tout pour vos prévisions astrologiques. Eh bien, mesdames et messieurs, bonjour à vous. Heureux de vous retrouver en cette belle matinée. On retient que le 17 janvier 1706, Benjamin Franklin voit le jour à Boston, au sein d'une modeste famille de 17 enfants. De tous les pères fondateurs des États-Unis d'Amérique, Benjamin Franklin est sans doute le plus original et le plus attachant. Nul n'incarne mieux que lui l'idéal humain des États-Unis fondé sur le travail, la tempérance, la réussite sociale, la vertu civique et la passion des affaires publiques. Self-made man, grand homme de science, philanthrope, diplomate, le premier qu'ait eu les États-Unis, c'est aussi un grand amateur du beau sexe et un homme d'esprit qui nous a légué d'immortelles formules.
Le 17 janvier 1961, un avion se pose à Elizabethville, aujourd'hui Lubumbashi, capitale de la province du Katanga, au sud du Congo-Est belge. À son bord, plusieurs prisonniers, dont Patrice Lumumba, âgé de 35 ans. Cet ancien employé des postes avait été nommé premier ministre du Congo lorsque celui-ci était devenu indépendant. Mais très vite, sa flamme révolutionnaire lui valut d'être renversé et arrêté. On ne le revit plus vivant. Il fut assassiné avec deux de ses compagnons. La mort brutale du dictateur Laurent Kabila, 40 ans plus tard et plus précisément le 16 janvier 2001, montre que le Congo n'est toujours pas arrivé à trouver son équilibre. Le 17 janvier 1991 débute l'opération Tempête du désert contre la dictature de Saddam Hussein. Cette guerre, dite guerre du Golfe, parce qu'elle se déroule sur les bords du Golfe Persique, trouve son origine dans la précédente guerre engagée par l'Irak contre l'Iran. Terminée en 1988, ce conflit meurtrier a laissé les deux pays exsangues. Et ce sera tout pour ce jour. Merci de nous avoir suivis. À très vite.